Voilà, André a épuisé son quota de discussion pour l'année. Alors bonsoir à tous, pour booster un petit peu cette émission, hein, je suis venue vous apporter des informations insolites, voilà, dont personne ne parle, à juste titre peut-être. Et par souci de quota, il me faudrait voilà, un co-présentateur jeune et de type maghrébin. Ah oui. Où est-ce qu'on va trouver ça? Alors Victor, tu peux nous laisser? Oui. On a besoin d'intimité, s'il te plaît. Merci, oui. Ah oh, bah oui. Voilà, alors, je vous préviens, certaines infos sont vraies, d'autres sont fausses, saurez-vous les retrouver? C'est l'heure du vrai faux JT de la météo. Musique, le compositeur André Manoukian aurait appelé son chien Album, juste pour pouvoir dire, allez, salut, je vais sortir mon album. Bravo. La reine Sylvia de Suède, âgée de 73 ans, a récemment déclaré que son palais était hanté par des fantômes. Après enquête, il s'est avéré qu'il ne s'agissait pas de fantômes, mais de ses parents. Politique maintenant, si Marine Le Pen est élue présidente, l'alphabet aura 27 lettres. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ça va, Poupoule? Oui, ça va. Le service de musique en ligne Spotify a proposé à Barack Obama le poste de président des playlists. Oh. L'entreprise a également proposé à François Hollande un mi-temps pour aider les équipes de ménage. Un peu plus grave maintenant, terrorisme, un membre de Daesh s'est tué accidentellement. Alors qu'il portait un slip explosif, il s'est gratté les couilles. Ce sont des choses qui arrivent. Un député allemand a pris position en faveur du remboursement des services de prostituées pour les personnes âgées dans le besoin. Sans transition, Julien Lepers vient d'annoncer qu'il déménageait à Munich. Un peu de sérieux, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. International, chaque vendredi soir, les actrices porno israéliennes feraient chabit. Ah, ça y est, j'ai compris. C'est pas pour tout le monde. On retrouve tout de suite notre stagiaire de 3e, oh oui. Léna Magnien, pour la météo. Demain matin, il fera moche partout, sauf en bas à droite. 4 degrés à Saint-Raphaël et 3 à Lille. Dans l'après-midi, il fera de plus en plus moche partout et de moins en moins beau en bas à droite. 9 degrés à Poitiers et 8 à Orléans. Personne n'a jamais aussi bien fait la météo. Ouais. Merci beaucoup. Très belle fin de soirée. Merci. Je vous invite à rejoindre votre siège.